ça. Qui m'énerve ces téléphonettes. Attends, je vais mettre. Ok, là c'est bon. Bonjour, bon matin à tous. Je vais déjà partager le direct. C'est pas facile. Merci, je vois déjà un cœur. Merci. Bon matin à tous. Là, somme créée, j'ai essayé de te taguer là, mais bon, impossible. Si déjà vous pouvez lui envoyer ma vidéo, c'est bon. Je l'ai tagué pour qu'elle puisse voir, mais bon, ça n'a pas fonctionné là. Vous savez que je suis dernière en technologie. Hein. Comment vous allez? Je vois déjà des personnes connectées. Bonjour. Bon matin chez vous. Ça fait un petit bout qu'on s'est parlé. Ok, je vais y aller sur ma page là. Pourquoi j'ai. Attendez, je vais aller là d'abord. Profitez déjà. Merci pour les cœurs. Merci déjà pour tous ces cœurs. Je vais, ça ne va pas être long, j'en ai pour maximum. Ok, je crois que je suis là. Je vais partager sur ma petite page. Ok. Ouais, le café pour me réveiller un peu. Ouais, comment vous allez? Bon matin chez vous, hein? Bon matin. Moi, je vais bien, ben, je vais bien. Je vais mieux là, parce que... Oh, ma Gigi, comment vas-tu? Bon matin. Npile, Christelle, Adjoussou, comment va? Nicole Condolo, ma fille chérie, comment tu vas? J'espère que mon bébé va bien. Wendy se sentait pas bien, hein? On a dû rentrer là un peu, parce d'urgence, parce que... C'était chaud le samedi, ouais. Marie-Pascal Deluz, comment vous allez? Bon matin chez tout le monde, bon matin. Ouais, il fait un peu froid, les températures sont très basses le matin et puis en journée, ça monte. On va donner un peu le temps aux personnes de se connecter, tout et tout. Merci, partagez le direct. Vous êtes soit, vous voyez que je ne fais plus de direct trop. On fait l'effort le matin de se réveiller pour faire un peu des petits directs, tout et tout. Vous ne partagez pas les directs. Bon, là, comme il fallait que je parle vraiment, alors son créa, tout et tout. Ouais, donc, c'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut que je fasse un effort sur moi. Oui, c'est un effort que je suis en train de faire là, parce que c'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai comme produit que je peux présenter là? Bon, je vais m'en rappeler comme ça. Parce que... Profitez pour partager. Maintenant, c'est ça. On parle du commerce. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Le poisson. Il y a du poisson marine. Profitez pour partager. Quand on sera à 200 déjà, je vais... Oh, on est déjà rendu à 240. Ok. Je dois une explication d'abord à mes personnes, à mes habitants de Gatineau, de Québec. Bon, Gatineau, je voudrais d'abord m'excuser avant tout pour toutes les commandes que je n'ai pas pu remplir. On est parti à Gatineau, le temps était mauvais, mauvais. Wendy se sentait pas bien déjà quand on partait à Gatineau, elle toussait déjà bon. Son père aussi est rentré avec une fatigue. Lui, je comptais sur lui la veille, la fin là. C'était zi au pain sur ma tête. Quand il le met, il dit, oh chérie, je suis fatigué, oh chérie, je suis fatigué. Mais malgré ça, il m'aidait. Quand moi je rentre, c'est lui qui lavait les glacières, il faisait tout. Il m'a aidé un peu, mais il ne peut pas faire les routes avec moi. Donc samedi, je suis partie à Gatineau. Faut pas que je vous dise que je suis pas partie à Gatineau. Non, ce serait des menteries. Moi, je suis pas une menteuse. Je suis partie à Gatineau, mais la petite ne se sentait pas bien. Elle commençait à faire la respiration. Elle est asthmatique. Donc, ça faisait combien? 5 ans, elle n'avait pas fait de crise. Donc, moi, j'avais oublié ses pompes. Voilà, elle a fait sur ma tête. Donc, on est parti à l'urgence. Dieu merci, ça n'a pas été si long que ça.
On nous a reçus, tout et tout. Le médecin, quand il a vu comment il respirait, il a dit, bon, il lui faut des pompes. Donc, c'est les pompes là qu'on a pris, qui nous ont aidé pour la route quand on revenait. Ce qui fait que je n'ai pas pu satisfaire toutes vos commandes à Gatineau. Et quand je suis arrivé de Gatineau, le dimanche, il y a une dame qui a appris que je suis passé là-bas, comme quoi je vendais des choses. Elle est venue, elle a quitté Gatineau, elle est venue ici, elle a ramassé tout le stock. C'est le commerce, non, mes amis. Au lieu que je vais retourner encore, ou encore aller à Québec, tout ça, là, le stock de poissons a tiqué, quasiment tout ramassé. Ce qui fait que vous, les gens de Québec, moi-même, à cause de la fatigue même, je ne peux même pas venir à Québec. Vendredi, on a férié, là, on a le Thanksgiving. Je pouvais y aller, mais je suis épuisé. J'ai décidé de me ménager moi-même. Donc, je ne pourrais pas. D'ailleurs, il reste quoi? Qu'est-ce qui reste de trop? La teke que vous voyez là. Quand vous êtes sur mes vidéos, faites la publicité de la teke. Vous avez vu, hein? Oh, Lee Thomas, merci pour les 50 étoiles. La teke est très bonne, de très, très, très bonne qualité. En tout cas, je suis parti ici depuis tous les commentaires que je reçois. La teke est très bonne. Donc, là où je vous parle, il m'en reste peut-être 30 boules dans tous les congélateurs de la maison. Ouais, les trois congèles là, il m'en reste juste 30 boules d'attiqué. L'attiqué est presque fini. Donc, celles qui veulent commander, bon, elles peuvent commander. Donc, je sais que l'attiqué va finir. Tous les poissons brochés, les poissons que vous avez vu, tout est fini. Les seuls poissons que j'ai ici, c'est les poissons mangue là. Les gros, gros comme ça là, je fais 4 pour 10 dollars. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai la toucou. Et là, le placali est fini, la graine est finie. J'ai la toucou, 3 dollars. La toucou, c'est 3 dollars. Mangue, 10 dollars. Vous avez vu, non, les cubes, on vous fait à 14 dollars au magasin. Moi, je vous fais ici à 12 dollars. Le piment de coucou, il reste celui seulement de 10 dollars. Les câblets, 1 dollar, 1 dollar. Vous me demandez, câblets, là, c'est combien? C'est 1 dollar, une tige. Si vous voulez pour 1 dollar, on vous sert. Vous voulez pour 5 dollars, on vous sert. Voilà, ça, c'est ma sauce. La sauce blé, la sauce longueur. Voilà ça. Les escargots, il y en reste juste un peu. Pour celles qui en veulent, il y en a juste un peu. Voilà. On a reçu un bon stock là. Donc, les escargots même, il ne reste plus beaucoup. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Les crevettes. Crevettes séchées. Il y a crevettes séchées, 6 dollars toujours. Le piment en poudre très fort. J'ai cuisiné ça avant hier là. Juste une cuillerée, ça suffit pour la sauce là. Donc, le piment fort, 5 dollars. Champignons noirs, champignons bruns, 5 dollars. Crevettes séchées, 6 dollars. Bon, je crois que j'ai déjà fait le tour du jardin. Voilà. Je regarde dans mon sac pour voir. Adieu, vent, tout ça, tout est fini. Ouais. Désolé, mais mes chers, c'est ça, ça c'est le problème que j'ai eu. Wendy m'a fait une crise d'asthme à Gatineau. Mes amis, bonjour, bonjour à tous. J'espère que ma chérie Lawson Créa est sur le direct. J'ai essayé de la taguer là. Comment on fait? Où on fait l'arrobase et puis la personne ça. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché partout. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Quelqu'un va lui envoyer sûrement ma vidéo. Merci pour les cœurs. Bon matin à tous. Avant tout, je voudrais m'excuser parce que elle a fait sa vidéo il y a comme quelques jours. J'avais promis faire une vidéo depuis lors, le manque de temps, comme j'étais très, très, très bousculé. Lolo Beauté, c'est toi qui as raison. Quand on court derrière l'argent, c'est comme la folie, là, je t'ai dit, là. Maman, j'étais épuisé, j'étais exténué, comme on dit. Mais j'ai dit, non, il faut que je trouve un temps, quand même, là, pour parler à ma soeur. Oui, c'est ça, elle est ma soeur. Nous sommes des Ivoiriennes. Dès lors qu'on est des Ivoiriennes, on reste des soeurs. Mais ce qui est, oui c'est ça, j'avais pas eu le temps, donc je voudrais m'excuser, c'est pas par mépris ou bien non, elle a fini de faire la vidéo, je vais prendre le temps pour lui répondre. Hey, moi je suis pas comme ça, c'est juste par manque de temps. Rien. Oui, je disais que je reviens sur ce dossier là aujourd'hui, parce que Lawson Créa a fait une vidéo dans laquelle elle a présenté des excuses par rapport à tout ce qui est arrivé. Par la même occasion, elle en a profité pour nous parler du comité des blogueurs. Oui, le comité des blogueurs, la première fois moi j'ai entendu parler, c'est ma nièce Chanel T qui est venue me parler. Tata, ah, tu sais que Lawson a fait une vidéo, tout et tout. Il paraît qu'il y a le comité des blogueurs. J'ai dit, ah oui, mais comment toi tu as su? Elle dit, non, Lawson m'a appelé. J'ai dit, ah ouais, t'as appelé. Elle dit, oui, c'est ça, je vais te parler. J'ai dit, bon, là, je suis au travail, là, je vais te rappeler après. Donc, dans la soirée, je l'ai appelé. C'est là qu'elle m'a fait le compte rendu. Elle m'a appelé tout et tout, tout ça, de laisser tout ce qui s'est passé, tout et tout. J'ai dit, ah, ok, c'est bon, mais écoute, les réseaux sociaux, je l'ai dit dans une des vidéos ici, les réseaux sociaux,
c'est pas des choses qu'on prend pour mettre dans nos maisons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux d'abord m'excuser auprès de tous ceux qui étaient au sein que je vais appeler l'ancien clash des mémés. Vous les abonnés de Lawson, qui étaient aussi moi mes abonnés, vous avez souffert de voir ça. Moi, je suis là pour m'excuser auprès de vous. C'est pour ça que je vous dis, quand souvent il y a des clashs, quand vous aimez des personnes, passez. Si tu vois que, bon, j'aime Monica Z, et puis son nom est écrit là, et puis tu écoutes une première partie, et puis on descend la personne, passez. Parce que je sais que, quoi qu'on dise, nous c'est facile pour nous de nous excuser, mais parfois vous en souffrez. De savoir qu'on descend une personne que tu aimes. Une personne que tu aimes, on vient, on la descend, on insulte. Souvent même on rentre dans sa famille, on rentre dans ses enfants. C'est pas agréable à voir. Donc, quand ma nièce elle me dit, pour être honnête, moi je fais une malhonnête, elle dit, a fait des rassemblements des blogueurs là. Tu sais que ma nièce, moi les choses qu'on a, elle dit non, tata, mais on va écouter d'abord. Elle va faire une vidéo où elle va mieux expliquer, mais la façon dont déjà elle a expliqué, je crois qu'il y a un volet, toi qui peut t'intéresser. J'ai dit quoi? Elle a dit non, on peut aller aussi sur les affaires des marques, tout et tout, mais j'ai pas trop. Vu l'importance de ça, mais moi j'ai plus proposé le côté du volet humanitaire. J'ai dit, ben oui, s'il y a du volet humanitaire dedans, c'est bon, mais dans tous les cas, elle va faire sa vidéo. Dans sa vidéo, elle va mieux expliquer les choses. C'est comme ça que j'ai pu, Dieu merci, avec mon profil ce jour-là, aller sur ta page. Parce que tout ça, c'est difficile pour moi aussi. Je ne sais pas comment les autres blogueurs font, et puis ils vont aussi facilement avec leur numéro de page, leur nom de page sur des choses. Moi, j'ai de la misère avec ça. Et je suis allée, je t'ai écouté, c'est ce que j'ai dit. Tu sais, ma chérie Lawson, la réconciliation et la paix sont le cauchemar des vendeurs d'âme. Il y a des vendeurs d'âme sur la terre là. Eux, où il y a la paix, eux, ils n'aiment pas ça. Il y a des gens comme ça. Donc, dis-toi que aujourd'hui, cette paix que tu es en train de prôner, oui, parce que histoire de rassembler même tout le monde, tous ceux avec lesquels tu as eu des conflits, histoire de les rassembler. Ben, tu n'auras pas certainement la paix dans, c'est-à-dire à certains endroits. Mais tu as un objectif qui est clair et c'est pour cet objectif-là que nous autres, on vient se lier à toi. Ça, c'est clair. Quelqu'un dit que non, je veux qu'on crée quelque chose. Ensemble, on peut aider. Ce n'est pas moi qui me bats tout seul pour vendre le pain ici. J'envoie à Tchéke, j'envoie une tonne d'Atchéke avec poisson quasiment. Ça ne me fait pas une semaine ici. Mais je suis en train de lutter pour la cause humanitaire. Pour un pain que chaque femme peut prendre. Pour dire que non, je vais attacher ça dans la main. Puisqu'elle dit que ce pain-là, c'est pour la cause des enfants. Elle dit que ce pain-là, elle ne va pas prendre 5 francs dedans. Elle va prendre seulement pour aller payer des couveuses pour la cause des enfants. Je gagne qui? C'est les bonnes âmes. Quand il est mauvais, l'impacteuse. Mais deux morceaux de. Merci à toi, la grande soeur depuis Ottawa. L'impacteuse, mais deux morceaux. L'impacteuse, même. Il est soit à 5 pains, il revient toujours à 3 pains. Donc, c'est pour te dire que les œuvres humanitaires, surtout quand on les fait en solo, très souvent, c'est au prix même de ton sang que tu fais ça. Donc, si on a vu quelqu'un qui dit qu'on va créer un comité pour que notre corporation même soit respectée, parce que notre corporation, nous-mêmes, on l'a déjà traîné dans la boue. On était bien, on était venu bien. Chacun avait dit que je parlais de là-haut. Toi, tu avais dit là. Moi, j'ai dit que je parlais des vraies choses. On avait laissé les vraies choses, on était venu dans la boue, non? Maintenant, c'est aujourd'hui. Au regard de tout ça, on a dit, bon, on va venir maintenant pour faire les bonnes choses, pour que notre corporation soit bien regardée, et puis elle soit régie de quelques lois. C'est tout à fait normal. Parce que quand quelque chose est fait dans le désordre, dans la cacophonie, ça donne quoi? Ça donne rien de bon. Ça donne que, ça dit qu'un regard vraiment où des gens nous méprisent. Donc tu as dit, pourquoi on essaie de doser aussi? Ah oui, même s'il y a les clashs, parce que les clashs et les buzz, là, c'est ça qui donne du jus aux réseaux sociaux. Mais si aujourd'hui, quelqu'un a eu une idée. Si c'est pas, tu as eu une idée là-bas, tout et tout, pour dire, bon, désormais, voici comme on veut. Mais nia, nous, on adhère à ça. Moi, l'impacteuse, j'adhère à ça. Au début, j'étais très réticente, ça, je te le dis clair. Mais j'adhère à l'idée parce que ça a été clairement expliqué et posément expliqué. La façon dont ça a été expliqué, oui, c'est ça, on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça, surtout pour la cause des enfants et puis pour le respect de notre corporation. C'est une corporation. Aujourd'hui, voici toutes les pages, tout et tout, qui sont monétisées, tout et tout. Oui, c'est monétisé, mais il faut qu'on essaie de voir comment essayer de régler les choses. Il ne faut pas qu'on regarde juste le côté argent. Je vais venir faire une sale vidéo, ça va me rapporter. Non, il faut qu'on sorte de ces trucs-là. Donc, moi, je suis d'accord à ça. Maintenant, il est revenu à nous. Vous voyez, le comité des blogueurs était plus important que ça. Tu sais? Yeah.
tes vidéos de clash. Tu sais pourquoi je n'ai jamais pris véritablement au sérieux? La façon dont tu prononces mon nom déjà, ça me rappelait mes tantes, ça me rappelle ma mère. Monica, quelqu'un est en train de clasher. Ça, c'est Lawson. Amène la vidéo partagée. C'est pour ça que quand... Ça dit juste la manière dont tu prononçais mon nom. Je n'ai jamais vu d'animosité en toi vis-à-vis de moi. Je te le dis ici. C'est les choses des réseaux sociaux, c'est clair. Ah oui. Et c'est que oui, je n'ai jamais vu. Parce que quelqu'un veut insulter. Elle va prendre sa chaise là. Hein. C'est long, long pied. Ou bien ça, c'est quand elle veut s'asseoir, ses pieds là. Monica, appelez Monica aujourd'hui. Juste la manière dont tu prononçais mon nom. Moi, quand on m'envoie ta vidéo, ça me faisait juste sourire. Parce que je n'ai jamais vu l'animosité en toi vis-à-vis de moi. Les réseaux sociaux ne doivent pas être quelque chose. On a fini de faire, on a tourné la page. Les réseaux sociaux ne doivent pas être quelque chose où tu vas garder dans le cœur. Et puis, ça dit que cette personne-là m'énerve. Mais si la personne t'énerve, comme je le dis souvent, ignorant. Moi, si je dis cette personne m'énerve, non, je vais t'ignorer. Je prononce plus le nom de quelqu'un que j'ai dit, la personne m'énerve. Toujours c'est mon nom, c'est ça dit, c'est ton nom qui est dans ma bouche. Moi, comme ça, c'est pas ma nature. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que tu dis que tu as fait des vidéos sur moi, tu as dormi sur ma vie. Je n'avais pas vu tout ça. Je n'avais pas vu ça parce que je n'étais jamais abonné à ta page. Ça, je te le dis honnêtement. Mais ce que je veux te dire, les réseaux sociaux ont le revers de la médaille. Il y a une confidence que je vais te faire aujourd'hui. Les voice, la dame qui vous avait envoyé les voice en France, la dame qui habite à Meaux, je sais qu'elle me suit. Cette dame-là, c'est elle. Écoutez bien, parce que demain, vous allez dire que mais tu as dit que c'était l'autre. Écoutez très bien. On est dans la réconciliation, mais dans la réconciliation, on peut dire un peu de vérité aussi. Vérité ne veut pas dire qu'on va remuer le couteau dans la plaie. On n'est pas ici en train d'insulter quelqu'un. La dame qui vous a, je ne sais pas si c'est à toi qu'elle avait envoyé, ou à, c'est qui est celui qui vous avait envoyé, parce que ça s'est retrouvé aussi, soit aussi sur ta page. C'est cette dame-là, une abonnée comme tout le monde, qui m'a envoyé tes premières vidéos où tu as parlé de moi. Tu sais, il y a une dame à Marseille qui a fait une vidéo, qui a parlé de toi. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit de moi? Oh, elle a dit que tu triches son concept. J'ai dit, quel concept? Oui, elle a dit que ton thème Bengis sans maison, c'est son thème. J'ai dit, elle parle de Bengis aussi. Elle dit, oui, elle parle de Bengis. Écoute bien, elle parle de Bengis. Oui, 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 à la limite, elle méprise même les Bengis. J'ai dit, ah, ok, ben je ne la connais pas. C'est elle qui m'envoie ta vidéo. Celle-là à laquelle je vais devenir camarade et puis apprendre mes voix pour envoyer sur les réseaux sociaux. C'est elle qui m'envoie ta vidéo pour la première fois. Je regarde, tu étais à un selfie. J'ai dit, mon Dieu, ces filles sont jolies. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit quoi? Que tu as triché son concept. J'ai dit, ah, faut laisser. C'est les choses des réseaux sociaux. J'ai mon petit en Angleterre. Il lui a dit, regarde, il dit, la mère, oui, c'est vrai. Elle a 100 000 abonnés. Elle n'est pas suivie. Nien, je ne sais pas si c'est ce qu'elle t'a dit ce jour-là qui t'avait fait mal. Ça dit, souvent quand je suis à Yeshua, je dis, mais qu'est-ce que j'avais dit ce jour, ce fameux dimanche, dans cette vidéo, à Lawson Créa. Et puis elle dit qu'elle dormait sur ma vie. Mais nia, tu dormais sur ma vie là-haut. Le travail qu'elle fait, tu sais que le travail est dur. Je me réveille à 6h, c'est mon ware même qui fait que je suis sur les réseaux sociaux. Quand je me suis réveillé là, 7h, il y a d'autres parents, il y a leurs enfants sont rapides. Maintenant, s'ils sont là, moi je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Donc tout le temps que tu as dormi sur ma vie, je n'avais pas vu. Première vidéo est passée. Tu as vu que je ne t'ai pas répondu du coup. Deuxième vidéo où on a fait le dossier de Zuno au Burkina Faso, tant, j'ai dit non, même bousculer quelqu'un à l'aéroport, tout ça, jusqu'à on a dit qu'elle a eu des égratignures, tout ça c'est affaire de. C'est comme on. Ça dit, il faut qu'on respecte les droits primaires. Tu es sorti ce jour, tu étais dans ta voiture. C'est la même dame qui était devenue ma grande amie, dont je connais. Ça dit, je n'ai jamais. Elle et moi, on ne s'est jamais prononcé les noms, on s'appelait Très Cher. Hein? C'est Très Cher qui a pris en compte la vidéo. Très Cher, tu sais qu'elle a encore fait une vidéo? J'ai dit, ah oui, encore? Mais qu'est-ce qu'elle me veut? C'est là que tu as fait une vidéo encore. Là encore, tu m'as indexé. C'est là que je suis sorti un dimanche. Et puis, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, nia, un mot sort d'agui à Greneba. Toi et moi, on est des sœurs. Et puis, nous, de nos visages là, c'est les visages qui ont déjà dépassé 45 ans.
Et hein, pour pas, on va aller se chercher par là. Mais dans ce temps aussi, je ne savais pas que toi aussi, tu étais une eau dormante. Hein? Jaël aussi, elle était là-bas. Là. Hé, hé, là, son cria. Ça dit quand le peu de temps que je voyais ces vidéos de clash là, j'ai dit, hein? Mais moi, voilà, non, on ne connaît pas l'homme, c'est vrai. Elle était assise, loin, elle parlait de là, 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 derrière là, là. Il y avait le sang chaud même qui était caché là-bas. Mais aussi, c'est vrai que ton sang était chaud comme ça là. Je n'allais même pas aller te chercher. Quand je regarde dans le fond, elle dit, aïe. Donc, elle avait sang dedans, vers les pieds, elle était assise là. Très fort. C'est comme ça que j'ai fait la deuxième vidéo. Après ça, je n'ai plus parlé. Mais pendant que je n'ai plus parlé là, tu continuais de parler là selon ce qu'on m'a dit. Parce que quand on m'envoie les vidéos, la dame de Marcel, jusqu'à ce mec qui m'a envoyé, il a dit ne m'envoyez plus, ne me parlez plus de ça. Jusqu'à ce que il y a eu le deuxième épisode. Cette partie-là, on est dans la paix. On est dans la réconciliation. On ne va pas venir réveiller les autres choses. Cette partie-là, je saute ça, je laisse ça comme ça. Je suis là pour te dire, je suis ta soeur. On est des soeurs. Ce qui est arrivé, c'est les choses des réseaux sociaux. J'aime tes doigts, merci. C'est les choses des réseaux sociaux. Quand je m'en vais, je suis allée livrer le peu de temps, les peu de personnes que j'ai livrées. Ah, on a vu la dame de Marseille, là, elle demande la réconciliation. J'ai dit, oui, elle demande la réconciliation. Et je vais prendre la réconciliation parce que nous sommes des soeurs. C'est pour ça que quand il y a les clashs, on ne veut pas que vous preniez ça sur vous. Laissez comme ça. C'est les choses des réseaux sociaux. On ne peut pas. Et puis, attends, nous sommes des mères de famille, des pères de famille. On va prendre les choses des réseaux sociaux. Un autre problème. En tout cas, moi, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes de famille que nous autres, on a. Oh, matin, midi, on t'appelle. Tel a tel problème. Ton frère est malade ici. Tant. Ta mère, là-bas, tu as le cœur suspendu. En tout cas, nous autres, on a problème. On n'a pas dit que notre vie baigne. Moi, mes problèmes, ce n'est pas pour moi-même ma vie. Ma vie, tout va bien. Mais quand je pense à la famille, ça veut dire que j'ai des problèmes. Donc, il y a des problèmes sur notre tête là-bas. Et puis, matin, midi, soir, là, si on a dit non, la soeur, il faut laisser ce qui s'est passé. Et puis, je lui ai dit non, je n'y laisse pas. Ah, c'est que vraiment, il y a la sorcellerie en bas. Si tu es sur Facebook, on te dit laisse ça faire là. Et puis, tu ne laisses pas là. Ah, c'est que vraiment, tu avais déjà une autre idée ou bien une autre perception des choses. Nous autres là, c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, je suis pour la réconciliation. Je suis pour la réconciliation. Sur les réseaux sociaux, je t'ai donné l'épisode de le chapitre de cette dame pour dire qu'il faut qu'on se méfie sur les réseaux sociaux. Tu ne pouvais pas imaginer que c'est cette dame-là qui m'envoyait les vidéos sur toi. Les voices de cette dame sur toi, dans mon inbox ici, les causeries qu'on a causées. Moi, je pouvais te critiquer. Moi, j'avais une raison de te critiquer parce que tu m'insultais là-bas. Mais est-ce qu'elle avait des raisons de te critiquer et de prendre mes voices pour vous envoyer là-bas? Voici comment les réseaux sociaux, les abonnés souvent peuvent nous soulever le cœur. Même le truc de Chanel T, qu'elle avait reçu, des messages comme ça, on en reçoit. Où Chanel T a reçu le message, non, faut aider ta soeur et Katou et tout. Puis bon, ça a été pris, ça a été interprété autrement. Mais Chanel T, elle a bel et bien reçu le message de la dame. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas de problème. On n'est pas ici pour la haine. On est ici pour, ça dit que pour faire quelque chose de bien. On est ici, oui, c'est vrai, on peut être amis aujourd'hui, demain on n'est plus amis, tant, c'est correct, mais pourvu qu'on se respecte. Moi, c'est ce que je dis, qu'on se respecte. On n'est plus amis, mais respectons-nous. Quand j'ai fini le clash, comme je te l'ai dit, quand j'ai fini le clash de deux jours sur toi ici, là, cette partie du clash là, je vais sauter ça. Je vais sauter la partie du clash. Après, d'où le clash là? Où c'est? Tu as vu que j'avais laissé l'affaire. Maintenant, où c'est parti? Et puis un matin, un samedi, je suis sorti sur toi. Dieu seul sait dans quelles conditions ça s'est passé. Et puis je suis sorti sur toi. Mais comme je dis, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Cette partie-là, ça va venir un jour sur les réseaux sociaux. Et puis on va décortiquer ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais quand j'ai fini ce clash-là, j'ai déposé le téléphone. Quand je te parle tout souvent d'une amie ici, Nancy Kouzi. Je te parle d'elle. Tu l'as jamais vu, mais le jour que j'ai fini le clash, j'ai déposé mon téléphone, m'appelle Alinia. Elle sait que ce que tu viens de faire là, c'est ta propre soeur que tu as incité. Il a dit ma propre soeur comment? Elle dit, mais Nia, c'est ma soeur. On est du même village, tout et tout. Elle ne me connaît pas parce qu'on a vite quitté. Ça dit, mais une fois quand même, on a dû se croiser une fois au village, mais c'est que si on est du même village. J'ai dit à ma soeur que, mais Nia, quand moi elle m'insulte là, vous ne voyez pas. Elle dit pour toi là, nous on n'a pas vu. Et c'est la partie que j'ai regrettée dans cette affaire.
Moi, je viens de faire mon clash, c'est à moi maintenant, on en voulait. C'est-à-dire, ceux qui te connaissaient, ou bien ceux qui me connaissaient, eux, quand ils rentrent dans mon inbox, oui, comment tu peux attaquer ta propre soeur comme ça? Comment tu peux rabaisser ta soeur? J'ai dit, mais j'ai dit, oh, ma soeur aussi, quand elle m'a rabaissé là, vous n'avez pas vu. En tout cas, le tonton à Atlanta, l'ami de ton père, il dit, moi, je n'ai pas vu pour elle, c'est pour toi que j'ai vu. Il y a un autre tonton aussi, en Allemagne. Tu connais, je crois, un membre de ta famille. Il m'a dit, moi, je n'ai pas vu pour elle, c'est pour toi que j'ai vu. Donc, c'est comme. Dans Palap, tu dis que tu as raison, et puis maintenant, vers la fin, on dit que non, on n'a pas vu pour l'autre, c'est pour toi, on a vu. Non, ça veut dire que c'est toi qui as cherché Palap. C'est comme ça que je me sentais dans cette affaire-là. Donc, Nia, si j'étais offensée, je te demande pardon aussi. Il y a quelque chose que j'ai dit dans ma vidéo, peut-être qui t'a. En tout cas, c'est qu'elle a dit dans ma vidéo du chose-là, du fameux dimanche pour te dire non, faut pas aller chercher Palap. Moi, je me demande ce que moi j'ai dit. Et puis bon, ça t'a mis comme ça. S'il y a quelque chose que j'ai dit aussi, je m'en excuse beaucoup. Sincèrement, mes excuses sont sincères. Ce n'est pas à cause du comité des blogueurs. La preuve, tu as vu que j'ai parlé du comité des blogueurs d'abord. Et puis maintenant, je parle de ça. Je me réconcilie avec toi. Là-haut, notre bourgeoise des réseaux sociaux. Notre mannequin. Naomi Campbell. Le style de ça. Maman, il faut laisser tout tomber. Vous laissez tomber. C'est là. C'est comme ça les réseaux sociaux. Tu as vu que tu as fait clash là. Le jour là, c'est ce jour, je suis parti sur ta page. J'ai dit, mais clash donne abonné vraiment, hein. La somme qui traîne dans les 100, combien? 111, 100 combien abonnés? J'ai regardé, elle est passée à 190 000 abonnés. 190 000 abonnés. J'ai dit, ouais, clash donne abonné. Là aujourd'hui, tu es connu, tu as fait les clash, tu as tout fait. Tu as vu de tout faire. Aujourd'hui, tu es connu, hein? Tu es connu. Il faut orienter ça quelque chose. Hein? Tu es une grande dame. Tu n'as, j'ai dit, c'est les réseaux sociaux qui font. À cause de ça, souvent, on se mélange dans les trucs pète-pète et puis on nous incite à gauche, à droite. Sinon, dans la vraie vie, là, tu as mangé, tu manges et puis tu es rassasié et puis tu jettes. Non. Hein? Tu as ton travail. Hein? Tu as tes jolis enfants, tout ça. Là. On va tout venir se traîner dans la boue. À un moment donné, le respect aussi est mieux. C'est vrai, souvent quand on nous compare aux autres coachs, ça nous fait mal, mais dans le fond aussi, c'est pas faux. Hein? On est de la même génération, on aurait pu nous instaurer ce respect-là aussi sur les réseaux sociaux. Donc, reviens, hein? De temps en temps, il faut revenir un peu au petit sujet aussi. Surtout que maintenant même là, on dit quoi? Que président d'honneur, on a notre Makosome qui est rentré qui est notre président d'honneur. Donc, ça veut dire que c'est du balai, c'est pas du jeu. Hein? La tête a vraiment de la matière. Ah oui, 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 ça je m'en rends compte là, de plus en plus. Donc, tu comprends? C'est ça qui est ça. C'est la paix qui est mieux. Tu comprends? C'est la paix. Quand tu as ton objectif de paix, tu restes dedans. C'est cette même paix-là qu'on a demandé. La paix qu'on a demandé depuis longtemps. Vous comprenez? J'ai fait une parenthèse. Quand il y avait les conflits avec les Aya nous insultait, tout ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Un soir là, j'ai prié, je prenais mon temps et puis j'expliquais à mon mari, oui, Aya, elle a fait une vidéo, tout et tout, ma soeur, elle va répondre, mais j'essaie de la calmer pour ne pas qu'elle réponde. Voici ce que mon mari m'a dit. Et je crois que c'est à partir de là que l'esprit de père, il me dit, ah chérie, moi je ne connais pas le visage de votre Aya là, je ne connais pas son visage. Mais Aya a avantage sur vous. Vous dites que Aya fait vidéo tous les soirs. Bon, Aya ne va pas se lever demain matin pour aller au travail. Bon, Aya n'a pas des enfants qu'elle va préparer pour aller demain à l'école. Bon, Aya encore, je n'ai pas marié. Mais vous êtes des vieilles rangbas, vous êtes dans vos foyers. Bon, Aya va mettre caméra 10 fois sur vous là. Aya va gagner la guerre. Mais Aya a des positions de force. C'est que la paix de. Mais pourquoi vous ne. Vous savez, votre petite soeur, vous ne vous arrangez pas entre vous là-bas pour éviter les uns. Donc, quand vous êtes sur tous les soirs aussi, vous aimez ça. J'ai analysé, j'ai dit, mais c'est vrai. À l'époque, j'avais dit à ma soeur, non, laisse tomber tout et tout. Mais comme bon, la colère était là. Quoi qu'on dise là, elle avait de l'avantage sur vous. Oui, oui, il a dit ça. Il dit, mais vous dites qu'Aya fait vidéo tous les soirs. Toi, tu peux faire vidéo tous les soirs. Ta soeur aussi, elle peut faire vidéo tous les soirs. Elle peut pas faire vidéo. Bon, vous allez faire une fois, vous allez, wow. Après une fois là, Aya, elle va mettre 10 fois sur vous. Donc, chérie, ça dit que vous partez, mais le match n'est pas équilibré. Laissez à faire de ça. Quand vous étiez parti sur vos réseaux sociaux, vous avez dit que vous étiez parti pour donner des conseils. Vous avez dit que vous étiez parti faire les clashs à Aya. Moi, je ne suis pas dit non, j'ai donné ma part. Vous savez que lui, quand il parle les choses, ça lui met dans l'humour, mais après, toi-même, tu assistes là. Il dit, Aya a pouvoir sur vous. Vous êtes deux femmes mariées, qu'Aya a insulté ma soeur, mais il faut la calmer. Calme-la, et puis bon, vous allez passer sur ça.
Réconciliez-vous entre vous. Vous n'êtes pas parti sur les réseaux sociaux pour faire les palabres. Vous comprenez? Voilà. Attends, toi tu travailles. Bon, les enfants. Et puis souvent, il me dit, mais toi, tu, le matin, tu te réveilles. De 7h à 17h, les enfants sont sur ta tête. Ils vont t'appeler. Monique, Monique, Monique. Pendant que les enfants sont en train de t'appeler, ils sont en train de faire 4 vidéos sur toi. Ou elle est en train de descendre. Donc, ça, ça vous plaît? Non, c'est pas bien. C'est pas respectable. Et puis, ce que vous oubliez là, quand on vous insulte là, nous, quand on va au travail, nos amis nous donnent les vidéos où on vous insulte. Ah oui, oui, vous les femmes mariées qui êtes sur les réseaux sociaux là, c'est ça qui est là. Quand il m'a dit, Jean-Luc, tu as vu, comment on appelle ça, il y a une femme quelque part, elle a insulté ta femme. J'ai dit, j'ai vu. Mais ça nous fait mal aussi. Il n'y a pas un homme marié qui a dit qu'on insulte sa femme sur les réseaux sociaux. Ça ne lui fait pas mal. Donc, lui laisser après de faire vidéo à Aya. C'est comme ça que j'ai demandé la réconciliation. Et puis, bon, bref, ça n'avait pas été compris en ce moment. Je sais, comme ça, je me dis, il y avait la colère. Vous savez, souvent, quand il y a la colère, on te propose souvent on peut te proposer une solution, mais tu es tellement dans la colère que tu te rappelles seulement ce qu'on t'a dit. Tu ne regardes pas, bon, si je laisse, est-ce que ça va, comment on appelle ça, comment je vais me sentir? Laisser les palabres sur les réseaux sociaux n'est pas signe de faiblesse. Il n'y a pas quelqu'un à qui appartient les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux, on a coupé sur nous ici 6 heures de temps. Il y a quel Africain qui a pu faire quelque chose? Il n'y a pas quelqu'un qui a pu faire. Donc, laisser les palabres, dire que non, c'est bon, je ne fais pas palabres, ou bien je laisse le clash, ou bien c'est pas qu'on a peur de quelqu'un. À un moment donné, il y a notre image aussi de mère de famille qu'on doit essayer de préserver. Vous comprenez? Non, je t'indexe pas. Non, je t'indexe pas. Oui, c'est la vérité, il dit. La vérité, il dit. Marcos, président d'honneur. Donc, c'est ça que ça, ma chérie Lawson. Je vais rendre les choses cool comme ça. Quand il y a des problèmes, il faut qu'on garde le calme à un moment donné. Modoub, ok, Aka, comment va? Oui, c'est ça. Tu comprends? Il faut que vraiment on soit... C'est-à-dire, moi je veux qu'on garde le respect quand même à un moment donné. Et puis quand ça n'a plus fonctionné, on est amis, quand ça n'a plus fonctionné... Parfois, prendre des distances aussi, c'est mieux que de venir, chacun à venir expliquer ce que c'était. Quand c'est comme ça, on paraît très ridicule même aux yeux des abonnés. Aux yeux des abonnés, on paraît ridicule. D'autres vont partir. Oui, on t'avait dit, il ne faut pas faire ça. On t'avait dit, il ne faut pas faire ci. Tout ça, ça. Yassani, ça s'interprète de toute façon. On n'a pas besoin de ça. Moi, c'est ce que je tenais à te dire. N'oubliez pas. Le câble est 1$. Je n'ai plus de poisson. La teke, il m'en reste juste environ, je dirais, 30 boules. Crevettes séchées. J'ai du poisson magne. 10$. Je mets le tas à 10$. C'est ça que j'ai, la toukou. Vous me demandez la toukou, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte. C'est qui parle là? Bon. On dit, on ne veut pas vous répondre. Bon, toi, tu es venu sur ma page, tu dis, fais vite. Est-ce que... Ma wazima. Je t'ai appelé, un moment voisiné. Je ne t'ai pas appelé. Donc, c'est ça qui est ça. Atoukou, comment on dit ça? Atoukou, 3$. Le piment, la poudre pour le clé, 10$. Pour faire la poudre de la sauce longueur, clé là, c'est ça qui est là. Cube magie, moi je vous fais ça à 12$. Les crevettes, 6$. Les escargots, 18$. Et puis, comment on appelle ça? Champignons bruns, champignons noirs. Ok. Mazoudé. Bonne nuit. Bon. Prunelle de Dieu, je ne sais pas de quoi tu parles. Ah. En tout cas, et la vérité. Bon, Palabra va donner quoi à qui? Si Palabra n'a jamais fait... Palabra n'a jamais honoré quelqu'un jusqu'à un certain sommet. Les pagnes sont à Paris. J'ai déjà mis l'affiche, j'ai déjà mis le numéro de la dame. La dame qui est la représentante des pagnes à Paris, c'est Edith Tiffon. Je vais reprendre ce lien-là. Je vais le mettre en première page tout de suite. Voilà. Je vais mettre ça en première page pour le pagne. Je ne veux pas à chaque fois répéter. Voilà. Quand elle sera, le jour qu'elle est en direct, même, je lui dis d'écrire. Ok. Qu'est-ce que je... En tout cas, moi, il finit de dire pour moi. Oh. Donc, Mamie Lawson, je suis dans le comité des blogueurs.
C'est la paix qui est mieux, oh, c'est la paix. Vous voyez? La paix, ça donne. Ensemble, on va évoluer. Ensemble, on va créer des choses pour les enfants. On va aller dans les œuvres humanitaires. Moi, ce volet-là m'intéresse trop. Parce que tout seul, c'est difficile. Tout seul, c'est difficile. Donc, je me dis qu'ensemble, là, ça peut aider. Voilà. Maman, moi, je ne connais pas la haine. Vous savez, je retiens le bien des gens. Ça, c'est ma nature. Je retiens le bien des gens. Ah oui! Quand je suis revenue, je n'ai jamais voulu parler de ce dossier. Mais quand je suis revenue de voir avec tout ce qui avait été dit, on a fait d'autres vidéos. Monique Azed a voulu que la dame paye son billet d'avion. Monique Azed n'avait pas l'argent. C'est pour cela que la dame est venue. Mais cette dame aujourd'hui, là, je vous dis, hein, elle sait. Pourquoi je n'ai pas voulu en parler? D'abord, les personnes auxquelles même elle est partie donner les vidéos, d'abord, c'est des personnes qu'elle critiquait toujours dans le inbox. Non, pourquoi tu... Cette dame-là, tu es avec elle, tu l'appelles ma soeur, c'est... On sent que... Il dit que... Ça dit, quand on m'a dit qu'elle est partie donner les voices là-bas, Niabé, peut-être que j'allais piquer une crise sur mon lit d'hôpital là-bas. C'est pas le... D'abord, il y a eu deux trucs. C'est le fait que elle ait posé ce geste-là. Et puis aux personnes qu'elle est partie donner, mais c'est les personnes qu'elle critiquait toujours. C'est là que je dis, wow, il faut se méfier des réseaux sociaux. Les personnes qu'elle critiquait toujours, ces personnes, ça dit, si elle était partie donner ses voix, peut-être, je peux dire, à Apoutou, ou bien à quelqu'un d'autre. J'allais dire, bon, j'allais voir de la neutralité dedans. J'allais dire, bon, au moins c'est neutre. Mais quelqu'un que tu critiques matin, midi, soir dans mes inbox, c'est à ces personnes à qui elle est partie donner des voix. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je retiens que le bon. J'ai retenu le bon d'elle. Le bon, c'est que elle s'est dévouée pour moi. Elle s'est dévouée pour aller me connaître. Elle s'est dévouée pour m'acheter. Ça dit, je voulais acheter des chaussures. Elle s'est dévouée pour acheter mes chaussures dans l'honnêteté jusqu'à ce que j'ai reçu toutes mes chaussures. Je retiens que le bien. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis. Quand il y a un conflit, que le conflit, ça dit, est arrivé, moi, je retiens le bien de la personne. Et puis, je laisse ce qui est mauvais là. Ça m'aide moi-même à être équilibré. Ben, je me dis que je vais prendre le mauvais que tu m'as fait. Je vais prendre et puis, elle vient, elle sent encore. Elle a mes nombreux problèmes encore. Hi, maman, pardon. C'est ça qui est là. Donc, méfions-nous aussi des réseaux sociaux. Parce que, ça dit. Même quand j'étais à chose là-bas et puis j'ai dit à ma fille, tu sais que très cher a trimballé mes voix sur les réseaux sociaux. Ma fille a dit, maman, quelle très chère. J'ai dit, la seule très chère. Mais pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas régler? J'ai dit, je ne sais pas. Ainsi va la vie. Donc, ma chérie, là, ça, je vais conclure parce que moi, je commence dans 5 minutes. Je vais prendre mon petit déjeuner. Merci beaucoup. Voilà, ben fini. Comité des blogueurs. On va voir, on va se mettre dedans. Et puis bon, j'espère que ça va aller parce que je vois que tout le monde est impliqué. Et puis bon, les idées vont être bonnes. La corporation sera respectée. Et puis bon, on va travailler pour les œuvres humanitaires. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis les réseaux sociaux, ce n'est pas la place de la haine. On n'a pas créé les réseaux sociaux pour qu'on haïe quelqu'un. On a créé les réseaux sociaux pour qu'on... On vient débattre des idées, tout et tout. Bon, si on a laissé ça, et puis maintenant, on va dire c'est la haine. Maman, si tu as la haine dans ton cœur, c'est pour toi. Moi, je n'ai pas haine contre quelqu'un. Voilà. Voilà. En tout cas, cette abonnée-là, elle avait fait fort. Elle avait vraiment fait fort. En tout cas. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bon matin. Moi, je commence le travail. Au revoir.